Je tiens à le répéter, je suis fier de la communauté. Et puis je pense que comme cela s'est passé, je pense que nous allons regarder en arrière et dire que c'était bien que les gens s'en soucient. C'était bien que les gens creusent leur position, c'est bien que les gens n'aient pas l'impression qu'ils ne peuvent pas être en désaccord. Et encore une fois, vous allez tous pu voir la fabrication des saucisses. Et j'espère que la saucisse finira par être délicieuse. And thanks for the space. Like I said, everything useful. everything I thought everything I, could... was said, I thought was great. Alright, alors si vous détenez du XRP, vous devez connaître cela. On vient d'entendre David Schwartz, le CTO de Ripple, qui, qui est ici, là. vous connaissez sûrement déjà tous, qui parle des automated Market Makers, en quoi que il est fier que la communauté ait euh, pris comme cette nouvelle-là de bonne humeur, si on pourrait dire. Parce qu'à quelque part, euh, bon, il était dans un space avec un des validateurs du L vette, on va le voir son profil tantôt, et il a partagé hein, sa réflexion par rapport à le, le délai qu'il va avoir pour le AMM. Il faut faire quelque chose qui va avoir un bug, même s'il est léger, ou un truc qui va être 100% correct. Alors, moi, je suis d'accord avec ça, parce qu'on retarde un peu que c'est la fin du monde. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Cryptolite le seul YouTubeur à faire des vidéos en français à chaque jour sur XRP et qui reste au Québec, okay, qui est né plutôt au Québec, <laughs> je reste plus là euh, depuis une année. Maintenant, je suis établi dans les Maritimes au Canada, ok, euh, une province à côté du Québec là. Alors, en gros, hein, si vous détenez du XRP, ben, vous devez écouter cette vidéo là parce que y a des trucs là-dedans qui vont être intéressants pour vous à écouter. La heatmap est très très verte présentement. Bitcoin 44 572, même XRP est en hausse, ma parole, de 1.81. Alors, pour revenir au AMM, les Automate Market Maker, l'amendement, vous saviez, on avait atteint 28 votes. Là, on est redescendu à 23. On était censé avoir la date du lancement le 14 février, mais ceux qui disent oui ici peuvent changer d'idée. Ils ont deux semaines et il y a, euh, cinq personnes au moins là-dedans. Cinq entités qui ont changé euh, de oui à non, comme Expector, euh, qui d'autres? de moi, ben, XRPVet, euh, Qui qu'il y avait d'autres? Ben, honnêtement, il y en a que je connais pas, qui se sont ajoutés, qui sont nouveaux. Bon, lui, il avait dit non, là. On, on soupçonne que c'est la sec là. Peu importe, OK? On est en attente. Et euh, on doit avoir 80 pour passer qui okay, est 28 sur 35 si vous cliquez sur amendements vous allez pouvoir voir les amendements qui sont passés ou qui sont en cours ok prix du xrp 51 cent 34 ça c'est un des validateurs ok s'appelle vet.xo ambassadeur aussi cofondateur de xrp café s'il y en a qui veulent en savoir plus, peut creuser sur son profil. Et euh, depuis aujourd'hui, on s'entend qu'il a été pas mal présent là pour répondre aux questions d'un peu tout le monde. Et il a fait un space et David Schwartz est venu au space. Sinon, il parle ici du AMM. Ok, on peut voir les propositions qu'il y a eu. C'est des détails, c'est des détails techniques. pas sûr que ça va intéresser tout le monde. Je vais juste montrer qu'est-ce qui est possible de lire. Il y a aussi un recording de 1h25. Quelqu'un qui voudrait écouter ça, ben, il s'en vient ici. So, et il va écouter en anglais, malheureusement. Hein, on s'entend. Euh, une conversation qui parle de même pendant 1h16. Alors, je mettrai son profil dans la description s'il y en a qui veulent aller voir plus et en savoir plus. OK. Et euh, une question ici que Blockchain Biker a euh, dit Do you know how to use XRPL Dex? Demande ça à sa communauté. Bien, la grande majorité des gens ne savent pas comment utiliser l'échange décentralisé hein, du XPL. On s'entend que aussi, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas que c'est 100% décentralisé. Là. Je ne sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui pense que, que c'est centralisé, ça ne l'a jamais été et ça ne le sera jamais. Euh, disent, ah, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de validateurs, c'est centralisé dans les mêmes. Ça n'a aucun rapport. C'est 100% décentralisé. Qui est Soyez-en sûrs. Alors, ça, c'était le profil de VIT. Il a un site qui est xap.vit. Et on peut voir son validateur. C'est juste un site pour dire qu'il y a un site là. Et si on clique sur validateur, ben, vous allez voir. Xap.pscan, qui est okay, domaine, ben, main, main, qui okay, est du XAPL. on peut voir agrément depuis une heure 100%, depuis 24 heures. Ledger Mist, aucun Ledger Mist qui est une note parfaite. là. Puis là, on peut voir euh, les, ses scores. Il y a des fouillés. Et fouillés, et fouillés, et fouillés. OK. S'il y en a qui veulent fouiller, mais vous n'allez rien trouver, c'est juste pour vous dire que c'est son UNL, qu'on l'appelle pour ceux qui ne connaissent pas ça. OK. Regardez ici. UNL Validateur. Pour rentrer en détail pour expliquer tout ce que ça veut dire, c'est pas très important. Je peux vous dire que c'est un validateur qui se ramasse parmi ceux qui sont ici et qui peuvent voter. OK, AMM. Validateur, c'est cette personne-là qu'on parle présentement qui s'est retirée pour l'instant. OK. Bon, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre Une vidéo pour ce qui est de la SEC. Qu'est-ce qu'ils demandent à Ripple? Alors, le juge fédéral a ordonné, je savent qu pas qu'ils savent pas, qu'est-ce qui s'est passé. Le juge fédéral a ordonné à Ripple Lab de produire des informations supplémentaires sur les ventes institutionnelles de XRP. Ripple a déposé une requête pour s'opposer à cette demande le mois dernier, appelant les documents non pertinents. Le document aidera le juge à déterminer quelles pénalités ces ventes institutionnelles représentent. Cela accorde également aussi à la SEC faut pas oublier l'opportunité de remettre en question formellement Ripple sur ses états financiers. Regardez bien. Enfin, un juge a ordonné à Ripple Labs de produire des informations financières supplémentaires sur ses ventes institutionnelles de XRP. L'ordonnance fait suite à la demande de la SEC et fait suite à une décision de justice majeure rendue en juillet. Dans laquelle un juge a déclaré que Ripple n'avait pas violé la loi sur les valeurs mobilières en proposant du XRT au public sur les bourses, mais l'avait fait lorsqu'il vendait le jeton directement aux institutions. Le document aidera le juge à déterminer les sanctions auxquelles Ripple s'expose pour ses ventes institutionnelles, et l'ordonnance donne également à la sec la possibilité d'interroger officiellement Ripple sur ses états financiers. Ripple a déposé une requête pour s'opposer à cette demande le mois dernier, qualifiant les documents de non-pertinents. Bon, ils ont fait euh, qu'est-ce qu'ils devaient faire. Ils disent que c'est non pertinent de faire ça de la part de la SEC. On va voir quest ce qui va se passer pour l'instant. On est toujours dans cette bataille-là. Et j'ai trouvé euh, ici des scénarios possibles que quelqu'un euh, a jasé et que je vous montre. C'est pas euh, moi qui ai écrit ça. Euh, partez pas en peur, là, peur. C'est juste des dates et des suppositions cette façon possible dont l'affaire Ripple pourrait se terminer. OK. Regardez bien ça. Je sais que je vais en décourager quelques-uns là aujourd'hui là. C'est pas mon but de vous décourager, c'est juste que je vous montre qu'est-ce que je trouve et je le partage. Par exemple, numéro 1 Ripple contre la SEC, bon, parviennent à un règlement. L'affaire se termine à tout moment. OK, on pourrait avoir une annonce jour la main, on sait pas. De façon de parler là, c'est pas demain non plus là, mais à tout moment, ça peut arriver. Deux, Ripple et la SEC acceptent la décision du juge Torel en matière du recours et personne ne fait appel. Bon, ça se terminerait pour cette année. Chose que je crois qu'il peut arriver. Faites une photo, faites un screenshot. Vous irez lire les autres scénarios. Je vais pas tout vous lire ça. Mais il y a des scénarios qui sont assez décevants ou qui sont long terme. Comme par exemple, le pire, c'est celui-là, le 7. Ripple et la SEC font appel au deuxième circuit après la phase de recours. Le deuxième circuit revient au juge orage. L'une des deux parties n'accepte pas la nouvelle décision du juge orage et font appel, à un, un nouveau appel, comme deux, une deuxième de suite. Le deuxième circuit est d'accord avec le juge orage. Une ou deux parties font appel à Scotus. L'affaire est terminée 2027-28. qui <laughs> okay, on va espérer que ça, ça, se passe à peu près entre ça et ça, là. Peut-être qu'une shot, allez, là. C'est des trucs qui pourraient arriver, cette façon possible dont l'affaire Ripple pourrait se terminer. Ok? Je viens de vous le montrer, faites une photo et lisez ça. Brad Gatlinghouse, qui parle ici pendant une minute, que j'ai réussi à traduire en français, que parmi les partenariats qu'ils ont, ils ont, euh, ils ont euh, des banques qui sont dans les 10 plus grandes banques du monde avec lequel Ripple travaille déjà. Des milliards de dollars affluent sur ce marché une fois que la, euh, ben, que le commutateur, que la fameuse Switch, là, flip de Switch est, euh, changer. Et ça, ça va être, qu'est-ce qu'on attend? On attend l'adoption. Et un coup, quand on va avoir l'adoption, ben, c'est à partir de là que XRP va pouvoir avoir une valeur qui va être énorme là, j'ai marqué un chiffre comme ça que je pense qu'il pourra atteindre un jour, là. Même si c'est pas demain matin qu'on va voir ça, là, On pourra atteindre ça, d'après moi. Peut-être d'ici 2030. Mais, on va commencer par passer à travers le cas de la SEC. Mais sinon, oui, XRP peut valoir super cher si il est utilisé et qui est une réserve qui va servir aussi pour un paquet de trucs dont les poules de liquidité, là. Et que, tout le monde va le voir se l'arracher. Et les banques aussi vont vouloir avoir le XRP en grosse quantité pour leur liquidité à eux-mêmes. Okay? Ceci n'est pas une vidéo pour vous inciter à investir dans XRP. Et je sais que que je parle de 10 000 ou 1 000 ou 5 Peu importe. Dès que je parle de 5 et plus, je reçois des sales commentaires. Laissez-vous aller. Ça ne m'arrange pas. Je suis capable d'en prendre. Je sais qu'est-ce que je détiens. Et le protocole Ripple c'est ça qu'il faut comprendre. La valeur est dans le protocole. Et euh, c'est pour ça que j'en détiens et que c'est mon plus gros bag. Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. Les gens, ils n'ont pas connaissance de tout qu ce qui s'en vient avec les 300 trillions de dollars en cross-border, la tokenisation qui va être quelque chose qui va avoir beaucoup d'argent, l'immobilier. On parle pas juste du XRP Ledger, mais on parle en tant que tel. La part du marché qui va aller chercher Ripple, qui n'est pas une compagnie ordinaire, je répète, va être gigantesque. Moi, je compare Ripple à Amazon. OK, pour plus tard. Regardez bien ça. L'environnement macro autour de la conservation des actifs numériques devrait avoisiner les 10 000 milliards de dollars d'ici. Bon, 10 000 milliards de dollars juste pour garder l'argent en sécurité des institutions, comme chez Metaco. 6, 20, 30. Lui parle de, dans six ans, qui est en 2024, 2030, 10 000 milliards de dollars, 10 trillions de dollars juste pour garder l'argent des institutions. Et inévitablement, les gens auront besoin d'un endroit sûr et sécurisé pour stocker ces actifs, et ils pourront également les transférer en ayant de bonnes rentes d'entrée et de sortie, même un moteur de tokenisation, une partie du travail que fait l'ondulation autour les monnaies numériques des banques centrales ou les CBDC, nous pensons donc qu'il y a beaucoup d'éléments qui s'assemblent et que nous avions déjà. Okay. Et je me souviens que lorsque vous et moi avons parlé pour la première fois, je me souviens avoir été l'une des dix plus grandes banques du monde et une banque avec laquelle Ripple travaillait déjà, et ils nous demandaient si nous pouvions les aider avec leur garde à vue. Ceci est avant l'acquisition médicale. Et nous n'étions pas. L'acquisition au Métaco, au Médical, ça m'a traduit. En mesure de le faire. Et donc, nous pensons à cette synergie, à la capacité de dire à ce client Ripple existant et, vous savez, voici le meilleur de sa catégorie, vous savez, s'affrontant de temps en temps et gagnant au niveau de la garde, vous savez, pouvoir leur proposer ce produit, je pense que c'est une excellente opportunité pour les deux sociétés ensemble. Comme HSBC qui va tout tokeniser leur actif, et qui sont en partenariat avec Metaco. Euh, ils ont fait une entente depuis le Ripple Swell qui est à Dubaï. Et il n'y a pas juste HSBC qui va être un des plus gros clients qui vont procéder. Okay. Excusez-moi. Euh, alors, ça, c'est un vidéo, une vidéo qu'on vient de voir de Broad Bon, House. Bon, quand je, je disais que le XRPL est complètement décentralisé, regardez un exemple ici de Zach. Peut-être qu'il y en a qui vont comprendre. Plus. La décentralisation du grand livre XRP était pleinement visible aujourd'hui, l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je suis toujours incroyablement optimiste à l'égard de la communauté XRP. Maintenant, le jeton lui-même est certainement toujours optimiste à ce sujet, mais la communauté XRP, malgré tout ce que nous avons vécu, nous nous appuyons sur l'une de nos principales forces, qui est la véritable décentralisation du grand livre XRP. Nous constatons des opinions et des points de vue divergents sur la façon dont le grand livre devrait évoluer, mais le beau processus de débat ouvert est, comme nous l'avons entendu aujourd'hui, de David Schwartz dire qu'il est fier de la communauté. Et qui dit que peu importe à qui qu'on pose la question, tout le monde voit le XRPL évoluer d'une certaine façon. C'est sûr qu'on a du retard sur d'autres blockchains et tout, mais qu'on fait quelque chose sur le XRPL. Puis c'est implanté, puis que c'est vérifié, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de problème. Regardez ça, là-dedans, ils ont été encore down. Voilà un jour ou deux, nous, est-ce qu'on est down, de la blockchain? Jamais. Okay. Alors, c'est ça qui arrive, c'est que la communauté veut les automated market makers, la communauté veut ceci, cela. Mais ce n'est pas vraiment nous qui décidons en tant que tel. Okay. Oui, on fait part de qu ce qu'on veut, mais ce n'est pas parce qu'on en fait part que ça va arriver. Et tout ce qui va arriver, les amendements, vous pouvez aller les vérifier et vous pouvez fouiller. Et regarder. tu sais, comme l'identité comme décentralisée, les DID qui m'intéressent beaucoup, les clawbacks, ça a été accepté. À moins qu'il qu y ait des changements, là, puis que ça, le monde change d'avis, là, il reste juste 9 heures. Alors, ça va être aujourd'hui que les clawbacks vont être acceptés, OK? Chose qui devait être, selon moi, acceptée avant les AMM. Mais euh, ça, c'est pas très grave là. Mais c'était logique qu'on puisse récupérer notre argent si elle est genre euh, fraudée ou peu importe. Facilement, faire un clawback. Présentement, les XRP sont en train de, de se faire voter. Les 71%, il y a un vote. Il y a plein de trucs que vous pouvez aller fouiller. Vous cliquez sur détails et vous allez voir plus d'informations. Sur les frais. Ok. Donc ça c'était tantôt. XRP, du nombre de personnes qui s'en soucient, qui sont intéressées, qui mettent désormais en place leur propre nœud et validateur. C'est la voie à suivre pour le grand livre XRP. Nous avons des utilitaires et des filles en route. Et je me fiche de ce que les autres disent. La décentralisation du grand livre XRP est pleinement visible. Uniquement ceux qui veulent rester ignorants, et veulent simplement juger le XRP. Ben oui, ceux qui ont des doutes, de la peur et de la certitude vont continuer à dénier et trouver une façon ou une autre de dire bon, je savais que ça allait être poussé, encore une fois, la compagnie essaie de embarquer du monde, des fausses, des fausses promesses. Il y, a, il y en a qui sont vraiment comme très forts là, côté imagination pour dire des stupidités, mais que voulez-vous? Il faut quand même laisser le choix aux gens de penser qu'est-ce qu'ils veulent, Que tout le monde ait l'idée de penser qu'est-ce qu'ils désirent. Ici, il y a un document qui est sorti chez Ripple qui parle de l'accès des marchés. Okay. Accès à des marchés toujours actifs. Pourquoi qu'il y a plus d'entreprises qui explore la tokenisation des actifs du monde réel comme moyen pour débloquer des liquidités qui affectent accès au marché, efficacité, automatisation, plus de bon, en gros, c'est un article qu'ils ont fait et euh, c'est sorti cet article-là il y a deux jours. L'économie tokenisée émergente partie 1, 6 février. Là, vous pouvez aller lire ça. Je vais vous mettre ça dans la description, le lien. S'il y en a qui veulent lire, vous cliquez où -ce que c'est bleu et vous allez avoir plus d'informations. Comme par exemple, le Boston Consulting Group prédit que les actifs tokenisés pourraient représenter une opportunité commerciale de 16 000 milliards de dollars, constituant 10 du PIB mondial d'ici 2030. Ce sentiment se retrouve dans le New Value Report qu'ils ont fait le 23 de Ripple. Qui révèle que 50 des dirigeants financiers mondiaux pensent que la tokenisation aura un impact significatif. Okay. Moi, j'aime beaucoup qu ce que la compagnie font par rapport au paiement transfrontalier. Là. Mais en tant que tel, je suis beaucoup plus intéressé à la tokenisation. Bon, pour moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et l'immobilier fait partie des choses qui m'intéressent énormément. Okay. That's it, je ne vais pas trop vous déranger longtemps, déjà une vidéo de 20 minutes. N'oubliez pas que si vous voulez protéger votre crypto, vous avez une clé, des scènes comme ça, ou deux clés que vous pouvez vous procurer pour ne pas vous la faire voler sur des sites d'échange qui pourraient fermer leurs portes. Et vous pouvez trouver ça ou ce lien-là pour les clés. Vous cliquez ici sur, euh, vous avez vu là, autre, sur la page principale, et un coup vous cliquez ici, vous avez accès à une clé ou deux clés. Comme ça, vous pouvez. Dormir en sécurité et mettre votre crypto préféré sur une clé descend, ou ce que votre pouce vous appuyez ici et c'est biométrique. Alright, je vous laisse là-dessus et je vous dis à plus tard aujourd'hui pour des mises à jour, peut-être euh, sur les AMM qu'on va en savoir plus, mais en tant que tel, euh, c'est repoussé pour des raisons euh, dans le fond qui vont être ben, qui sont qui sont justifiables à parole. Hein? Pas le choix. Il faut leur faire confiance aux gens qui sont développeurs et tout. C'est eux qui sont derrière le code. Et s'ils voient un bug, ils doivent le réparer. Okay. Merci. À plus tard. Ciao.